Voilà pour la deuxième partie de mon stuff radio pour de l'écoute, enfin mon stuff radio en général, hein. Donc tout mon matériel en fait. Donc voilà, avec l'antenne, la petite antenne, c'est super, j'aime bien, c'est un bon look, puis la performance, ça marche plutôt bien. Voilà, pour la détection de l'écoute. Tout en discrétion, c'est le top. Donc ça marche avec deux piles. Donc là c'est des piles de merde, hein, mais c'est pas grave. Des piles rechargeables. On peut aussi l'alimenter en 5 volts. Là, on peut aussi le programmer par USB. Il y a aussi la prise jack où j'ai viré le discriminateur pour faire du décodage avec DSD pour tous les modes numériques. Voilà, donc c'est une petite manip. Je vous montrerai peut-être un jour comment faire. Donc là c'est pour passer la sortie son. Donc hop, on va passer sur le. Oula. Le UVB5 modifié de chez Baofeng. Donc celui-là il me sert juste pour le trafic satellite. Avec une antenne modifiée. Donc je crois. On va regarder. Je ne me souviens plus trop des couvertures de fréquence. Donc 225 qui couvre, 223, 222, 221. Donc en gros je peux couvrir de 130 mégas jusqu'à 470, non jusqu'à 270, hein, pour tout ce qui est satellite. Puis après il a été aussi débridé en UHF, donc il fait à peu près de 390 mégas jusqu'à 550, voire plus, hein, je sais plus trop. Je ferai des vidéos là-dessus, hein, sur les modifications. Donc pour l'antenne, j'ai inséré du coaxial dedans. Je l'ai fait sortir en séparé. Donc là, c'est de la gaine thermorétractable, voilà, de chaque côté. À l'intérieur, c'est un ruban à mettre que j'ai réduit au niveau de la largeur. Donc ça fait à peu près 30 cm de long de chaque côté. C'est une 1/4 d'onde. Donc là, j'ai replié. Donc ça s'arrête à peu près jusqu'à là. Il y a un petit coude. Et le coude, je l'ai fixé tout simplement au plastique de l'antenne pour faire tenir les deux. Donc c'est super pratique. On peut le plier pour le transporter. Allez, hop, de chaque côté, on peut le plier comme ça. Hop, et ça revient tout seul. Donc de chaque côté 30 cm, ça me permet de faire de l'écoute sur les satcom ou sur les satellites radioamateurs. Ou même pour la météo. Donc on peut en faire avec. Donc le poste il coûte même pas 30 €. Hein. Donc il marche en 7,5 V. C'est la même taille qu'un 888 de chez Baofeng. Et je l'ai modifié au niveau de la sensibilité du squelch aussi. Je l'ai modifié. J'ai mis le squelch vraiment au minimum, que ce soit très sensible, pour qu'au moindre petit signaux, le squelch ouvre. Parce qu'avec les satellites, c'est quand même assez compliqué de régler le squelch. Donc là, le bouton d'alarme qui sert à rien. Enfin, on n'est pas censé s'en servir. Donc, voilà. Maintenant dans le sac, alors le bloc-notes, donc toujours utile pour noter toutes les fréquences qu'on peut écouter et qu'on doit mémoriser. Donc le TYT MD390 pour écouter le trafic DMR. Donc là on est sur un relais radio amateur branché sur le Brandmaster. Donc celui-là je l'ai modifié avec un firmware alternatif pour ouvrir tous les TG. Ça permet de faire de l'écoute sur les relais assez facilement. Voilà, donc MD390 UHF, donc il est étanche, hein. Vous pouvez vraiment l'immerger sous l'eau, il n'y a pas de souci. L'antenne d'origine, donc bien sûr c'est pareil, on peut mettre la petite antenne
pour écouter du DMR discrètement, il faut aussi l'oreillette. Donc maintenant on va passer sur... Ah bah non, ça fait 5 minutes, donc je vais refaire la troisième partie. Dans la troisième partie, on va parler du UV5R modifié.